Clássico tem por aí que a Carmenere estava extinta em Bordeaux e ressurgiu no Chile. Não é verdade. Estamos diante de uma parcela de Carmenere com mais de 60 anos. E lorsqu'ils les ont trouvé, le pépiniériste, donc ce, oui. Le fournisseur de pieds de vigne, lorsqu'il a identifié que c'était des Carmenères, il les a trouvés tellement qualitatifs qu'il en a pris certains pour les greffer, oui. Pour recréer une souche oui, oui. Sur des Carmenères très anciens d'ici. Voilà. Et quel âge cette vigne? 60 ans. 60, 65 ans. Certains pieds, peut-être plus. Mais on va dire qu'en voilà, en moyenne, on est sur 60-65 ans. Le vieil vin de Carmenère. Et celui-là, par exemple, on ne serait pas surpris qu'il soit plus vieux, là, celui qui est juste là. Oui, oui, oui. Très, très, très vieux, oui. Estou no Château Trianon, em Saint-Emilion. Nicolas Chan, qui est un profundo conhecedor da região, fala sobre a variedade. Le Carmenère est un cépage autochtone du Bordelais. Mais qui avait autochtone. Encore ici. Il y avait encore, ça n'a pas disparu. Mais il y en avait très, très peu. Il y en a eu beaucoup avant, mais ça faisait longtemps. En plus, avec le phylloxéra, la maladie qui a tué la vigne, le Carmenère a très peu été replanté. Trop dur à cultiver, car la maturité est trop tardive. Oui, oui, mais oui. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, eh ben, oui, ça nous permet d'attendre. Et c'est un cépage qui est formidable pour un assemblage. Ça apporte beaucoup de couleurs, ça apporte beaucoup d'épices dans les arômes. C'est très appréciable. Lorsque c'est en monocépage, c'est un très bon vin, mais très simple. Voilà, très régulier, ça n'a pas beaucoup de caractère. Par contre, en assemblage, ça ressort beaucoup.